Je suis l'inspecteur Sam Leroy. Traquer les cybercriminels, c'était notre spécialité avec l'unité 42. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions, pour vous aider. Là, on a reçu un message de Bastien, un truc assez inquiétant, regardez. Hello, j'aime beaucoup jouer à des jeux en ligne sur mon smartphone, surtout quand je suis dans le bus ou le métro. Je télécharge beaucoup de jeux gratuitement. Mais depuis un certain temps, mon smartphone se comporte bizarrement. Mon smartphone est plus lent, chauffe souvent, et reçoit également des messages publicitaires bizarres. Vous pouvez m'aider ? Bon alors là, Bastien, votre appareil est probablement infecté par un virus. Vous avez certainement téléchargé un jeu qui contenait un logiciel malveillant. Du coup, ce virus s'est installé sur votre smartphone. Et tout ça, sans que vous vous en rendiez compte. Quand vous téléchargez un jeu, utilisez uniquement des applications et des programmes sûrs qui viennent de fournisseurs officiels qui vous donnent des garanties sur la sécurité. Il y a une règle, si vous ne connaissez pas la source, vous n'installez jamais rien. C'est nettement plus prudent. Ok, merci beaucoup Sam. Du coup, je peux continuer à télécharger des jeux gratuitement, mais sur des plateformes connues ? Oui, mais pour bien faire, il faut aussi supprimer régulièrement les jeux avec lesquels vous ne jouez pas. Et puis un autre conseil, c'est qu'il faut limiter l'accès accordé au jeu au strict nécessaire. En général, un jeu, ça n'a pas besoin de connaître votre liste de contacts ou votre localisation. Hein. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur cephoneweb.be si vous voulez vous tenir au courant.